Cet atelier de validation du projet de code d'éthique et de déontologie des élus locaux vise à déterminer les devoirs et obligations exigibles aux élus locaux depuis leur installation jusqu'à la fin de leur mandat électif. Cet outil de travail qui sera mis à leur disposition est, selon Alban Bessan, un grand pas vers la gestion transparente à la base. La mise en place de cet outil, de référence à l'usage des acteurs de la décentralisation, permettra non seulement de mieux les encadrer dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de réduire de manière significative les éventuelles irrégularités qui affecteraient la gestion de l'administration communale à chaque mandature. De même, il servira à conserver et à accroître la confiance du public dans l'intégrité de la fonction des élus locaux, tout en renforçant le respect et la reconnaissance du rôle qu'ils sont appelés à jouer pour une meilleure gouvernance locale. Pour Noël Gangpé, directeur de cabinet du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, représentant le ministre, le regard des populations face à 15 ans de gestion décentralisée est mitigé. Force est de constater que, de jour en jour, le regard que portent les populations sur les élus à la base n'est pas toujours bienveillant, du fait de graves dysfonctionnements qui affectent la qualité de la gouvernance dans nos communes. Or, il est de plus en plus reconnu que les communes qui accordent une grande valeur à la transparence et à l'éthique affiche une bonne performance socio-économique. Le document qui va être examiné aujourd'hui vient, à juste titre, combler un vide que notre pays a connu depuis plus d'une quinzaine d'années de mise en œuvre effective de la décentralisation. La mise en place de cet outil de référence pour les acteurs de la décentralisation permettra non seulement de mieux les encadrer dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de réduire de manière significative la plupart des dérives et irrégularités qui affectent la qualité de la gouvernance de nos communes. L'élaboration de ce code d'éthique et de déontologie des élus locaux permettra au Bénin d'atteindre l'objectif 14 de la directive 01-2009-CMUEMOI du 27 mars 2009 portant code de transparence de gestion des finances publiques au sein de l'UEMOI.